Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un petit vlog de vacances. Je voulais revenir avec un format, peu importe le format, mais un truc qui me ressemble, un truc qui me plaît. Et du coup, voilà, un vlog de vacances. On est à Calais, on est arrivé hier, mais hier je bossais. En fait, il y a eu un concours de circonstances qui fait que où je travaille et mes vacances se sont accordées. Du coup, on est arrivé un jour avant. Je suis avec ma meilleure amie, vous la verrez. Je la vloguerai pas forcément en mode ha ha ha, mais vous la verrez dans des shots et tout. Et voilà, je suis avec ma meilleure amie. On est arrivé hier. Là, on a changé d'hôtel, puisqu'en fait, celui-là, je l'avais réservé avant. Mais en fait, le taf, il s'est ajouté dernière minute. Du coup, on a réservé un autre hôtel. Celui-là, il était plus disponible. On vient de changer d'hôtel. On est arrivé dans notre petite chambre. C'est un truc cosy, hein. On est là pour 4 jours. Et voilà, donc là on va sortir. Je suis en banane. Je suis comme ça, on vient de prendre une averse sur la tête. Voici ma tenue du jour. Je sais pas si le plan il sera à l'endroit, mais voilà. Et voilà, on va ressortir. Du coup je me suis changée, j'étais pas habillée comme ça ce matin. Et voilà, c'est tout. J'ai plus l'habitude de parler, vous calculez pas comment je parle. J'ai plus l'habitude de parler à une caméra, mais voilà, ça va revenir naturellement. A plus, quand on fait un truc intéressant, je vous dis. Je suis honnêtement venue à Calais juste pour ça. Les glaces pas chères sur la plage. Et on avait peur, en tout cas moi j'avais chaud qu'on les trouve pas en cette saison. On a trouvé. Moi j'ai pris schtroumpf fraise et... On dirait que tu vas cambrioler quelque chose. Mais il fait froid, il fait grave froid. Et elle a pris violette. Regardez notre vue. Magnifique. Oh, 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 oh. Oh là là. On est à Calais. Comme quoi le schnorr, hein, regardez-moi ce beau ciel. Je dis ça, on a pris une averse tout à l'heure, mais... Alors, c'est comment les vacances avec moi? Oh mon père, il est à l'envers, attendez. Oh, oh, pousse-toi. La tige, elle était sur le chemin. Du coup, on a fait beaucoup de vélo, donc je pouvais pas vlogger. Tu peux pas tenir un vélo et vlogger. Mais je suis claquée au sol, au vélo. Ma copine, elle a fait une vidéo. Ah, tu l'as enregistré la vidéo? Ma copine, elle a fait une vidéo, je vous montrerai tout. Marie, viens chercher ta fille, s'il te plaît. Oh non. J'ai vraiment amusé. On a fait des petites courses. Là, on est retourné à l'hôtel. J'ai pris une douche, je me suis habillée. Du coup, là, on attend rien du tout. On est posé. On va peut-être aller manger tout à l'heure. Mais ouais, c'était trop bien. T'as aimé la balade à vélo? Oh, on a mangé les glaces. En fait, à Calais, sur la plage, il y a des glaces. Mais je crois que je voulais vloguer. Oui, je l'ai vlogué tout à l'heure. Oh, c'était trop bon. J'étais trop contente. Par contre, j'ai failli péter une de mes bagues. Ah oui, parce que du coup, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué. Je suis même pas sûre que vous m'avez vu avec mes bagues. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Parce que normalement, j'ai pas le droit au pain. Donc le cornet de glace, c'est un peu plus dur et tout. Voilà, j'ai un départ de Lox aussi. En fait, il s'est passé plein de trucs. J'ai un piercing au nez. Je suis pas sûre que vous êtes trop d'actualité. Après, si vous me suivez sur Insta, vous savez. Mais ici, ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles. Mais en tout cas, je voulais trop vlogger. Je voulais trop revenir. J'ai des idées de format, mais je sais pas si ça va se réaliser. On verra comment on fait cette année. Mais ça va être en mode chill. J'ai trop envie de faire un marathon de décembre comme on faisait avant. Mais... À moins que je me mette à filmer ce mois-ci et que je filme tout en avance. Mais en tout cas, ce ne sera pas des vlogs en direct et tout. Ce ne sera pas des vlogmas, quoi. Parce que je ne pourrai pas éditer au jour le jour. Mais voilà, voilà, voilà. Pour l'instant, on chill. Si on va manger, je reprendrai ma caméra. On est là pour 4 jours. Ça fera une vidéo suffisante, même si elle dure 10 minutes. Donc, je ne vais pas trop me mettre la pression pour vlogger, mais faire des vidéos. Yay ! Bon. À plus. Jour numéro 3 ou jour numéro 2, mais enfin, ça fait que 2 jours que je vlog. On a un soleil plein, il fait chaud, je suis encore en doudoune. Ce matin, on est parti se balader sur la plage. Je vais essayer de vous insérer des clips, des photos et tout, parce que bah, je pense pas tout le temps à vlogger en fait. Je viens de m'en rappeler que je vloguais.
Et ouais, non, ça va être une bonne journée. C'est beau. Regarde-moi ce ciel bleu, la vue et tout. C'est trop beau. Maggie. Voilà, aujourd'hui, normalement, au programme, on va faire couper les cheveux de la Miss. On va se balader en bus touristique. Je sais pas si c'est un bus touristique à base. C'est un bus qui fait le tour de la ville, mais je sais pas si c'est pour le tourisme de base. Et ouais, désolée, je vous vlog comme ça, parce qu'en fait, j'ai l'habitude de faire des stories Insta dans mon quotidien. Et du coup, je vlog comme ça pour cacher un peu les lieux. Du coup, j'ai l'habitude de porter ma caméra comme ça, parce que, bah... Je sais pas. Vous savez... Genre j'ai peur qu'on me retrouve sur mon chemin. Ah, je reconnais, c'est l'endroit où elle passe tout le temps. Et voilà. Du coup, ouais, il fait trop beau. On est à côté de la plage. On se balade sur la plage? Non. C'est quoi? Non, c'est parce que ce matin, je l'ai torturé. On se baladait sur la plage. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Alors. Donc ce matin, on a fait tout ça. Jusqu'au espèce de pont, il y a un phare là. Et on a marché tout ça à pied. Il faisait super froid. En fait, on s'est levé pour le lever du soleil. Sauf qu'en fait, on était... le lever du soleil n'est pas du tout du côté de la mer. On en a profité quand même. Hein. Le soleil s'est levé plus par là-bas. Et on a profité quand même de la chaleur, des rayons roses, des trucs comme ça. On a fait des photos. Et voilà. Ah, je vais en profiter parce que hier, on a fait du vélo, je vous ai dit. Et je ne vous ai pas montré. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Eh hey, mais franchement, le soleil est tellement beau, on a des teints. Regarde le teint. Pourquoi t'es douce comme ça? Pardon. Et du coup, en fait à Calais, il y a les vélos comme ça. Donc c'est un système, tu t'inscris avec ton numéro et ton adresse mail ou je sais pas quoi. En gros, t'allumes la machine comme ça. Il y a le truc de vélo qui s'allume. Et ensuite, tu fais ton compte sur le site, je sais pas quoi, nanana. Et ensuite, tu mets appeler. Et quand tu appelles le numéro, ça débloque le vélo. Et après, c'est parti. Manqué. C'est la fête. On prend des vélos? On va au centre-ville en vélo? Yay! Et bah, c'est parti. Bah, je vous montre, attendez. Hop. Par contre, je vais devoir vous poser parce qu'il faut que j'appelle. Une fois que j'ai fini de louer, il faudra que j'appelle. Et en fait, il reconnaît ton numéro et du coup, ça va sur l'abonnement. La première heure, elle est gratuite et la deuxième heure, elle est 2 euros. Donc même si tu pars toute la journée avec, tu vas pas payer de manière excessive. Hier, on a fait genre 2 heures. Et en fait, on a changé de vélo entre-temps puisqu'on s'était arrêté. Et moi, j'ai payé 2 euros. Elle a rien payé parce que son vélo, elle l'a pris un peu plus tard que le mien. Donc voilà, ça compte les vélos. Et après, tu peux mettre appeler. Donc moi, ce que je vais faire dans 2 secondes. Et une fois que j'appelle, ça sonne une fois et ça raccroche et ça débloque le vélo. Donc voilà, je vous montre quand je l'ai débloqué, j'arrive. Et du coup voilà, j'ai appelé le numéro, il est débloqué, j'ai enlevé le verrou et je suis prête à partir. Tada. Bon, je vais vous poser parce que je pense que je suis incapable de vlogger en vélo. Voilà. Mais voilà, on va aller en centre-ville en vélo. J'ai déjà mal aux fesses d'hier, c'était trop. Et du coup ma copine a fait la même chose, voilà. Elle vient de l'arracher. Ah bah vous avez vu en live l'arrachage de verrou. Après, on met la chaîne dans ça. Je vous donne un espèce de code si vous voulez verrouiller le vélo. Et voilà. Voilà, voilà, c'est parti. C'est le dernier jour. Donc là, franchement, on est rentré parce qu'on est KO. En fait, on a fait beaucoup de marches de vélo pendant qu'on était là, énormément. Du coup, ça explique aussi pourquoi j'ai pas tant vlogué que ça, parce qu'on était très souvent à vélo. Voilà quoi, c'était cool. Aujourd'hui, on a fait une journée un peu chill puisque c'était assez intense hier, je trouve. Hier, en fait, on est sorti du lever du soleil presque jusqu'à son coucher. Donc, on était vraiment dans la rue, dans la ville. On a fait plein de trucs, on a mangé, on a fait tout. On a mangé des churros. Et je vous ai pas dit, mais le premier jour, on a mangé à la friterie. Je vais vous mettre des extraits de la friterie, du jour où j'ai travaillé aussi, parce que j'ai des vidéos, des petites vidéos. Parce que je vloguais pas, mais je faisais sur Insta et tout, des stories et tout. Donc, je vais vous mettre tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, on est allé en ville, on s'est baladé. On est parti faire des petites courses pour le dîner de ce soir et pour demain.
Voilà, quand on s'est levé, parce qu'on s'est levé super tard, on est parti boire un petit café, j'ai mangé un fondant au chocolat, des trucs comme ça. Franchement, c'était des vacances chill, il n'y avait pas du tout de pression pour avoir des activités super fun, super extravagantes et tout, parce que le but, c'était vraiment de se reposer. Voilà, et du coup, là, il est tôt, hein, je crois qu'il est 18h, on est à l'hôtel. On va passer une soirée chill, on va discuter, on va parler. Voilà, on va faire notre petite vie, se reposer. Parce que demain, on part pas tôt, 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 mais on part tôt quand même. Donc demain, là, moi, j'ai déjà fini de faire ma valise. Je l'ai rangée, j'ai préparé mes vêtements de demain. Voilà, il me reste pas grand-chose à faire pour demain. C'est notre dernier jour. Je sais pas s'il y a d'autres trucs que j'ai pas mis. Mais de toute façon, tout ce que j'ai pas mis, je vais vous le mettre maintenant. Voilà. Et bah du coup, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'était très court en soi parce que c'était des vacances, des vraies vacances. C'était pas un voyage pour voyager. Mais peut-être qu'il y en aura une autre vidéo de ce genre dans pas longtemps. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye! Alors, ça, c'est une attraction de Calais. C'est un dragon. Regardez comment il est. Déjà il crache du feu, donc on le verra pas tout le temps cracher du feu, mais il crache du feu de temps en temps. Et archi grand, archi impressionnant et tout. Et on peut monter dessus comme vous pouvez voir. Je crois qu'il roule tous les jours les vacances scolaires pour les enfants et tout. Et je crois que c'est gratuit. Pour l'instant on n'a pas vu encore.